Dans quelques jours, le marché de Périgueux ne ressemblera plus à cela. Le port du masque y sera obligatoire, tout comme 19 autres communes qui ont ou vont en faire la demande. Une mesure supplémentaire dans la lutte contre la Covid, même si le département s'en sort plutôt bien. 0,4% de taux de positivité au test et aucune hospitalisation actuellement. Ce département est très attractif, les touristes s'y trouvent bien, ils considèrent que les mesures de distanciation physique, les mesures barrières sont bien respectées, mais nous avons des lieux qui attirent énormément et là, sur ces lieux où ils ne sont pas en capacité de respecter la distanciation physique, où la concentration, la densité de population est importante, eh bien l'obligation du port du masque est une réassurance pour tout le monde. Et pour faire appliquer tout cela, police et gendarmerie seront impliqués. On va se concentrer sur trois zones particulières, les centres commerciaux, les grandes zones de chalandise, les hypercentres, notamment les centres touristiques de Périgueux et de Bergerac sur la zone police nationale, ainsi que les zones qui accueillent beaucoup de voyageurs. L'amende pour non-port du masque s'élève à 135 euros, des mesures établies pour 2, voire 3 semaines.